on y va. Donc on essaye de notre, pas de le jouer, mais de s'approprier, de donner du volume, de prendre son temps, de respecter les déplacements, etc., etc. Puis on enchaîne. On fait comme on a décidé, nous avons rompu. Alors tu vas retirer tes larmes en le misant. Non, mais tu retiens tes larmes. Écoute, il m'a dit que nous avons rompu parce que tu retiendrais tes larmes. Hein? Mais non, mais moi j'ai pas à pleurer. Hein? Allez, va, je t'aime. Non, je t'aime plus. Je t'aime plus. Nous avons rompu. Non, mais c'est faux, mais c'est vrai pour lui. Hein? Allez, non, mais écoute, cherche pas à comprendre. Je traverse en ce moment une passe difficile. Poum. Et d'une. Vous êtes embêté maintenant, Christine? Oh, bah dis donc, vous avez de la chance, hein. Parce que d'habitude, elle est toujours en avance sur les oracles que vous lui donnez. Elle aurait pu rencontrer Mademoiselle Sonia. Non, mais dites donc, non, mais ça va, hein. N'en rajoutez pas. D'abord, c'est pas mademoiselle, c'est madame. Hein, si c'était mademoiselle, j'aurais pas besoin de rompre avec elle. Dis-donc ! Bon, je vous laisse. Ouais, c'est ça. Toujours ponctuel, hein. Toujours ponctuel, hein. Qui est cette femme que je viens de croiser qui sortait de chez toi? C'est une cousine d'une tante à maman qui est une amie de ma sœur. Qu'est-ce qu'elle voulait? Une voiture. Ah, un souci d'argent. Non. Tu as perdu quelqu'un? Non, j'aurais plutôt quelqu'un de trop. Ah, je vois. Un parent de province. Bon, écoute, laisse-moi parler. Ouais. Non, je possède quelqu'un de trop. Ne l'avale pas. C'est... marque-le bien, parce que là, c'est ça marche, ce truc-là. Non, j'aurais plutôt quelqu'un de trop. C'est bien, là, je donne, si tu as nommé un peu, ça sera bien. La souplesse. Non, depuis une demi-heure, exactement. Et tu m'as appelé tout de suite, c'est gentil, ça, Bichon. Un souci d'argent? Non. Tu as perdu quelqu'un? Non, j'aurais plutôt quelqu'un de trop. Ouais. Et toi? Bon, s'il te plaît, laisse-moi parler. Que je me sois trompé d'une heure? À la rigueur, mais un jour, laisse-moi rire. Mais si tu veux. Tu vois? Tu vois quoi? Tu n'en es déjà plus aussi sûr. Mais si, écoute, je suis sûr. Tu veux mon carnet? Montre-moi ton carnet. Aïe. Oh, tu rigoles, non? Dis ton texte. Tu rigoles, non? En mercredi 17 mai, rendez-vous chez Tintin avec Hawal Raziz. Hawal Raziz. Voilà, ok. On voit bien que c'est pas toi qui as attendu. J'ai pas attendu, parce que c'est pas hier soir que nous avions rendez-vous. Que tu dis? Que je dis, oui. Hier, c'était pas jeudi. Attends, un petit temps de... Entre hier, pardon, hier, c'est pas jeudi, là. Que tu dis? Que je dis, oui. Mais hier, c'était pas jeudi. Et tu ne me montres pas ton carnet. Alors, plus dans le truc que tu faisais, mais avec le petit moment de truc. Hier soir que nous avions rendez-vous. Que tu dis? Que je dis, oui. Hier, c'était pas jeudi. Et tu ne me montres pas ton carnet. Non, mais attends, il faudrait pas que je dise oui. Il faudrait dire ce que je dis. C'est pas hier soir que nous avions rendez-vous. Que tu dis? Que je dis. Mais hier, c'était pas jeudi. Oui, alors, garde le ton. Non, on efface, tu le fais comme avant. Hier, c'était pas jeudi. Oui. Que je dis? Alors, regardez, on reprend, mais tant que comme vous disiez tout à l'heure. J'ai pas. C'était pas hier soir, parce que c'est pas hier soir que nous avions rendez-vous. Que tu dis? Que je dis. Mais hier, c'était pas jeudi. Tu me montres pas ton carnet. Non, je te montre pas mon carnet. Tu vas te parler de choses autrement plus graves, crois-moi. Elles ne sont peut-être pas graves pour toi, mais elles le sont pour moi. Tu ne sais pas ce que c'est que t'attends dans un garage, toi? Si, je le sais. Ça fait 15 ans que j'attends tous les jours dans un garage, moi. Oui, c'est possible. Mais tu n'es pas une femme, toi. Tu n'es pas hypersensible, toi. Je le suis, moi. Hier soir, ils ont fait fonctionner le klaxon d'un camion pendant 10 minutes. Ben c'est parce qu'ils le réparaient, sans doute. Ah, ils le réparaient. Ah ben, qu'est-ce que ça doit être quand il marche, alors? Au lieu de me tirer une balle la première fois, je viderais. Parce que, au lieu de ne tirer qu'une balle comme la première fois, je viderais le chargeur. Chargeur? Tu combien de balles c'est un chargeur? 8. 8? Ah, mais tu aurais pu me prévenir que tu étais jalouse à ce point-là quand nous nous sommes rencontrés. Enfin, quand nous nous sommes rencontrés, je n'en avais pas le droit. Mais tu n'avais pas le droit ce jour-là, mais 3 jours plus tard, oui. 4. Quoi, 4? 4 jours. Oui, si tu veux. Non, c'est pas si je veux. C'est pas 3 jours plus tard, c'est 4. Tu m'étonnes même que tu ne t'en souviens pas. Si tu crois que je note. Pardon? Non, qu'est-ce que tu dis? Non, mais je dis. Mais il fallait me prévenir, enfin. Mais te prévenir de quoi? Mais tu tires comme tu respires. Non, mais on laisse pas les gens comme ça. Hein? C'est dur de rire là, cette année. Qu'est-ce qui t'amuse? Je pense à ton mari. Je pense à ton mari. Chez vous, les scènes de ménage, ça doit tout de suite prendre des allures de guerre civile. Passe-moi une scène. Non, tu es. Non, non. Une fois pour toutes, Michel, je t'ai déjà dit de ne pas mêler mon mari à nos conversations. Ah oui, j'oubliais. Faut pas parler de ton mari.
C'est fâcheux parce qu'il sort d'ici. Qu'est-ce que tu racontes? Tu racontes qu'il y a une demi-heure, ton mari était ici. Mon mari? Ah oui, j'oubliais. Faut pas parler de ton mari. Tu parles déjà, tu fais un port d'or. Oui. Félix sort d'ici. Ah, c'est Félix. Bah oui, Félix sort d'ici. Félix sort d'ici. Félix sort d'ici. Pourquoi tu me regardes comme ça? Félix sort d'ici. Oui, Félix, non, mais tu vas pas te mettre à répéter pendant des heures, toi aussi. Félix sort d'ici. Félix ne sort pas d'ici. Si, Félix sort d'ici. Ton mari, il est pas à Paris en ce moment? Si. Bon. Alors, s'il n'est pas décédé cette nuit, en supposant qu'il a mon adresse, rien ne l'empêchait de venir. Tu es imprudent, Michel. Très imprudent. Je ne suis pas idiot, Christine. On se reverra. Pas longtemps. Mais on se reverra. Mais la rapigala ta topita. Topinambour, ça veut dire quoi, ça? Non, je t'ai pas fait l'angour. Sur un tapis usé. Merara, melara. Melara, pagada, topita, n'importe quoi. Je crois que tu te... Melara, melara, pagada, topita. Ça veut dire quoi, ça? Ne rentre plus seul le soir.